des politiques qui dans les parages côté à occuper en bas pour mieux étrangler yo parce que peut-être ça cabaron souffle ou bien politiques ça yo je nous formule entendu avec baron les autorités qui encore qui existent encore et la police nationale pour entendu avec voisin yo qui en bas m'a considéré comme ennemi parce que gain de lien serré étroit entre politiciens ça yo qui en bas dans zone en bas autorité yo et moun qui bandi jodi qui en zam nan men yo et grand pile nèg qui te distribuer zam yo qui vivant dans pays toujours donc m'a ces formule ça c'est l'état pour appliquer même après dit ça qui gain en bas formule là gari li pap la prière li pap jeûne 24 sur 24 c'est armé la police nationale la armée y a gain zam nan men yo y a descend en bas m'a connait et l'armée hein y a descend en bas y a fait ça ou de faire parce que moun qui occupe espace c'est pas avec un bib qui nan men yo c'est zam qui nan men yo donc moi pense que faut que nous utiliser formule qui résout problème non mais ouais comme si zam yo acheté après est-ce que pas venir gon alibi qui vini comme si nous gagne drone conseil de bail qui vient et puis nous jeune formule pour nous dire bon pas faire comme ça même pas c'est fond clair on a accompli on a direct j'aime de faire ta connaissance c'est le bal qui est mais c'est la situation qu'il y a monsieur ne rentrer dans la question rapidement et kidnapping non donc kidnapping non appauvri pays tu es payé ben tu es payé limite à genoux mon notre classe moyenne à genoux nous fini monsieur nous fini ça gagne comme yo il y a Saint-Domingue et il fait humilier nous ça passé là ah ouais yo rentré dans bar restaurant et me gagne un peu de monde ouais va acheter quand Saint-Domingue c'est la vive bon écoutez ce sont mes amis je ne suis pas bac à compte quoi à faire mais c'est quand même avec peine ouais avec peine et puis, ou légal ou illégal quand comme dit yo et il y a vinn sur n'importe qui là donc à cause de kidnapping notre pays le pays de Dessalines liste noire et au monde étranger pas vinn même si il y a de l'autre pays il y a insécurité nous on pas rendu compte que l'école pas fonctionner monsieur c'est un monde consacré à l'école à cause de kidnapping des parents pas capables ils va voir petit monde encore et gagne gros problème nous pas rendu compte que ça va fait circulation pas en fait en matissant monsieur un delman n'a circulé dans pays depuis le personne 6h et 7h tout pas commenté pays à vide il y a une peur panique au quotidien en dedans pays ça donc Matissan une personne va traverser ça veut dire gros partie dans pays qui coupé avec le sud-est le sud le Nip la Grandance il coupé avec région des Palmes il pas une relation encore avec zone nord plateau central etc gagné des dizaines de monde qui ont kidnappé m'tire les organisations droit mondiaux pour même chiffre mais a fait recherche pour moi et peut-être nous allons recevoir responsable organisation là peut-être qu'on va nous plus information sur ça et kidnapping n'est tout dit il est venu un business lucratif n'est pas fait comme vous écoutez bon aspect nous toujours négliger mounio kidnappé mounio enlevé yo pa jam ba nou vrai version de misère il fait passer que vous faites passer yo peur tout justement à cause de la peur même parler avec une deux trois dans yo yo dit que me pas citer nos côtés à des côtés au prend yo son bon bon sel yo ba yo a un petit gode de l'eau par jour faut nous compte ça scoop aïe yo ba mbé parce qu'on va bailler au dos pour vous mais par contre gon l'autre les ouvriers vous bailler manger vous traiter au bien baigner etc nous par contre combien de monde qui besoin psychologue nous mon pas nous par contre combien de monde qui vient fou et gon cas parce que c'est en quelques minutes gagnons cas mon yo la reprendre il fait
un mois et demi, peut-être deux mois dans le même lieu, les Oulagues, ils sentent-ils bien. C'est après 5-6 mois, et puis ils sentent ce que là, et puis peut-être ils bâtissent. Donc nous parlons compte combien de monde qui est dans cette situation ça. N'est-ce pas kidnappé, ils jouent l'argent facile. J'en ai dit tout à l'heure, il y a un contrôle certains mondes dans la douane, certains mondes dans la frontière. Il y a augmenté l'arsenal rapidement parce qu'il y a un cop pour ça. Les amis ont vendu pichet sur le marché et ils ont vendu pichet parce qu'il y a plus de demande. C'est quelque chose de produit normal. Bandio, tout le monde connaît qu'il opère Paco, Nazon, Badelma et certaines fois Odelma, dans Tabar, dans Ruelle Vague, zone Natcom, zone Canado. C'est là qu'il y a ramassé les gens. Et là, dans Petionville, il y a un bas mon calvaire côté où vous faites 2-3 kidnappings spectaculaires. Ça m'avait dit pour autant de l'autre côté, il n'y a pas kidnappé les gens. Mais quoi, les bouquets, tout le monde connaît, depuis faire ça, soit on mourut ou bien on prend. Tout le monde connaît ça. Maintenant, une zone qui vient en. Le palais de Liampil, c'est Canaan. Canaan, qu'on y a là, c'est une zone privilégiée de Yuna Negyo. Mon cher Mandio, l'allée, il construit là, il place chef Lila comme son territoire qu'il conquiert. Et en ce sens, le gouvernement est au courant. Et quand quelqu'un a mené, mais jusqu'à présent, beaucoup réagi sur ce que c'est ça. L'autre aspect encore, ça crivait dans la question de kidnapping, comme si conséquence était tellement grave, d'un flot de jeunes qui tombaient dans la mendicité. Les gens viennent très souvent, ils étaient mendiants. Et ils sont enquêtes que menaient en pile monde, qui ont des gens qui travaillent plus ou moins, comme ça. Mais on a demandé tout le temps, numéro de téléphone, message tout le temps. Il faut comprendre, ça crève, il n'y a pas voulu ou même entrer dans l'affaire bandit. Parce que, parents ont été aidés en province, parents n'ont pas capable encore. Parents n'ont pas capable d'entrer pour vous manger. Les amis ont été aidés, peut-être perdu du travail. Les gens ont été sollicités, pas de moyens encore, parce que c'est pas comme si leur vie dans ce coup, ou jouer une GPPC, ou jouer une Val, ou jouer une campagne qui aide. Mais, ou alors une Patrick Moussiat, Patrick aide. Mais la situation pas même j'ai encore. Donc, ou ka aide moins moun. Donc, moun ou pas ka aide yo, yon nou situation difficile. C'est ici que Mandi ou prend espace et PIA vin nou situation côté ou pas ka vivre, ou pas ka évoluer. Et tout moun a critiqué la police nationale là, qui a priori échoué dans mission de protéger accès. Ouais, ma vante la nan dynamique kounia et explication. Depuis échec. Police là dans l'opération 12 mars qui s'est passé à côté c'est 5 policiers que vous kembe et vous brûlez vous tuez vous brûlez et vous brûlez vif d'après l'information opération campé dans la zone ça même si vous faites 2-3 petites opérations dans le peignet mais dans la zone ça opération au campé et policiers pas même on dit vous avez passé une bonne journée pas engagé dans la bataille comme ça en bas. Pour plusieurs raisons. Un, il y a des droits humains. Deux, il n'y a pas de gens. Trois, les policiers qui sont morts, ils sont morts net, pas de rien fait pour eux. Donc, c'est dans ce contexte de critique acerbe contre la police nationale que le gouvernement Ariel a organisé un CSPN. Je ne dirais pas spécial. Parce que je vais ajouter spécial là, je vais retirer un CSPN. Pour le CSPN, ça, il a demandé à directeur général de la police là. LB, dis-nous besoin. LB. LB, pour qui ça LB, LB dit. Monsieur, moi-même besoin, moi-même m'a dit ça. D'abord, tout, hein. Ça peut me plaire, non, gars. Sérieux, quand même. Ouais, ouais. Moi-même m'a dit même. Parce que, je demande. Nous pas fait rien. Et ce n'est pas la première fois que nous avons demandé. Nous toujours dit nous pas de moyen. Pourquoi ça pour nous perdre du temps pour ma baille? N'est quitté là. Oui, c'est important. N'est quitté là. Dis bon, écoutez.
ne quitte pas mine, quitte là-haut, il faut me citer. Il y a un premier ministre, le ministre de justice, le ministre de l'Intérieur, le directeur de la police nationale, ouais, discuter, il y a l'autre qui est en haut, il n'y a pas joué à acter là. Il a discuté, et puis elle lui dit, ah, monsieur, il n'y a pas besoin. Quand c'est ma cité, non, c'est ma cité. Et monsieur dit, bon, attendez, l'LB. C'est la première fois que je suis devant nous, même qui, là, ou je suis devant l'autre monde, mais la première fois que je suis devant nous. Même si je suis devant l'autre monde, mais je veux dire, la première fois devant nous. Nous-mêmes nous disons, ben nous lisons besoin, nous demandons. Testez bonne volonté nous à bonne foi nous. Après ça, on a une position ça, on a dit même il y a longtemps. Pour tester bonne foi nous, LB, France LB a décidé pour soumettre besoin à la police là. À nous, ça veut dire besoin électif, c'est la première fois la police dit mais ça a le besoin. Ça, M. Météo, c'est pour assurer la sécurité des vies et des biens. Matériel météo. La police l'a pensé, matériel ça. Par le combat de nous, il y a une solution. On dit la police là. Elle me soumet. Et vous avez dit, monsieur, mais voilà. Le gouvernement commence à entreprendre des démarches. Suivi. Et c'est là, l'émission devient intéressante. Et les informations que je vais fournir, la vie intéressante, en pile. Le gouvernement commence à entreprendre des démarches auprès de plusieurs pays pour acheter des armes et équipements matériels pour la police nationale. Presque tout pays est contacté et il dit non. Pourquoi ? Je pose des questions. Sous prétexte des embargos sous achat des armes ou Haïti. Tout pays honnête dit ça. Donc, c'est-à-dire, pour le plus, pour ne pas plus clair, c'est que Haïti, pas grenoir, débloquer quoi pour acheter des armes de manière légale. On va m'ajouter ça. Exactement. Non, non, on va m'ajouter ça de manière légale. Vous savez que Canada. Canada dit, bon, désolé, nous ne sommes pas capables parce que nous avons des matériels disponibles, etc. Mais c'est quel le Mexique? Mexique dit non. Pas gagné, donc gagné un bago, pas gagné un problème sur Haïti. Il y a le Tseke en Israël. Donc c'est non. Cependant, pour la première fois, en présence des autorités haïtiennes dépêchées pour l'acheter par ça, les Israéliens ont dit il y a des armes, il y a des bonnes armes, il y a des bons matériels, bon matériel, bon mais il faut une autorisation du département d'État, sinon, il n'y a pas de vendre. Pour la première fois, le gouvernement haïtien est formé officiellement et formellement sous question embargo aux armes. Il y a toujours Abdi Lambouche, mais par exemple, vous payez quand même vous dit non. Ils ont fait part de positionnement ça, de information ça au premier ministre Ariel Henry, premier ministre de la transition. Ariel Henry. Et Ariel Henry prend un téléphone et monsieur commence à prendre contact avec les autorités, certaines autorités du département d'État. La discussion et échange. Autorité dit. En plus, là, on dit qu'il n'y a pas au courant de l'information. Ça. Il n'y a rien dit. Mais quand il me sortit avec. Et l'autorité commence à brûler. Je ne sais pas si c'est par stratégie. Je ne sais pas si c'est devant le fait accompli.
parce qu'il y a un problème au niveau géopolitique également. Mm-hmm. Et la pays, ça, je dis. Donc, bon, suite à la situation, ça, négocie-nous là. Combien de monde pour le gouvernement résoudre le problème de nous? Et que le gouvernement n'a pas de moyens pour résoudre le problème ça. Et c'est allié, vous voyez, il y a une autorisation à gouvernement Ariel pour acheter équipement à exam, l'autorité Madea. C'est ainsi. Équipe expert est allée, venir, entrer. Film n'a entré en Haïti. A consigné tout le bagage. Et mercredi dernier, il est entré. Gouvernement payé 12 millions de dollars américains pour première cargaison. Son premier. 12 millions de dollars américains pour achat de 20 blindés. Qui est sous tête M60 à M50 blindé niveau 8 que Sam n'a pas gagné en bas à Bessie. Attention, c'est une information qu'on a en bas. Que Sam n'a pas gagné. Même si vous voulez un gros de fragmentation en bas, il n'est pas secoué blindé. Donc, nous allons avoir des matériels nécessaires pour les pénétrations à l'intérieur de l'espace occupé par les hommes armés illégalement. Maintenant, là, vous avez clearance, vous avez autorisation, qu'on y a Haïti besoin d'acheter, valent enfin plus millions. Mm-hmm. Et si experts policiers, dépêché par France LB, il y a le Canada. Il est arrivé dans le matériel, il est le matériel. Mais pas oublier, tout le pays s'est dit, tout le monde a dit, pas autorisation, tout le pays s'est dit, nous gagnons. Mexique chargé, Canada n'a pas de verbe, elle a dit, sous 20 ou 70, je vais même gagner tout de suite pour. Est-ce que vous comprenez? Ceci, expert au déplacé, la police. Alors, département d'État des États-Unis. Oui, oui. Non, département d'État. Non, parce qu'il faut nous reconnaître, il faut nous dire. Oui, oui, oui. Pour nous expliquer qui est-ce, nous, qui est-ce cap. Le département d'État. Qui est-ce cap géré, nous. Maintenant, vous n'avez pas le temps pour voir l'autre cap géré, nous. Bon, les valeurs et ces équipements. Équipements que la police a demandé qui correspondent à la réalité, nous. Et puis, chariot M60, M50, des tonnes de munitions. Plusieurs millions de munitions. De tout calibre. Des drones hautement sophistiqués qui t'attirent là. On a besoin de nous. Et ça, n'est pas choisi et a consigné 12 millions. Mais, il faut nous dire ça. Il y a une clause dans quoi qui dit. Mais au fin de. Le parle de qui c'est comme. Fume n'est d'accord. Faut faire maintenance dans l'équipement ça. Et ça que tu as nous. Et ça que tu es l'autre négo, bah, il va Zéphir et t'acheter. Ok? Pour faire service dans l'équipement ça. Et puis, pièce de rechange. Gagner, vina, en quantité qui est tout disponible pour tout prendre ça. Pendant des années. Mm-hmm. Et expert a venu pour montrer négo rapide. Voilà. Dernière fois que la police a acheté. Munitions. Il a acheté 4 millions et demi de balles, il est remonté à 10 ans. L'information va banner pour qu'on connaît. Donc, à qui est-ce que vous avez là, des nègres qui ont gagné, balles chaque jour dans le et puis 10 ans, pour les gagner. Non. Et moi, je dois dire, population, c'est la première fois, à moi, de l'information contraire. Mais ça m'a d'accord sur mon information contraire qu'on a prouvé. Mm-hmm. C'est la première fois qu'il n'y a pas acheté matériel par un intermédiaire qui fait plusieurs millions. Là-dedans. Ah, c'est l'âme de Malvini. Non, attends, non, mm-hmm. Il n'y a pas eu d'intermédiaire, comme par Nival. Mm-hmm. L'État haïtien qui a acheté
OK, pas d'intermédiaire la police, cap une commission en bas, ben, tout l'argent net selon ça, il dit moi, bien avec allez, contrairement à ça qui est passé sous Jovenel. Avec Zéphirien. Entre-temps, qu'elle achetait des matériels qui pas bon et que lui a resté d'acheter en Israël plutôt, il a acheté des matériels qui pas bon et négocié font comme sous commission. Et Fonbal et tout le monde a dit Zéphirien, a souligné que Zéphirien était le bras droit de Jovenel Moïse. Donc il ne peut s'agir de Zéphirien seulement, il s'agit également de Jovenel Moïse, c'est le président. Pas dit ça. Vous comprenez? La manique attaque, on est tout le temps, on connaît tout le temps, et pourtant, nous qui fait la celle-là, il n'a rien dit que c'était pas un bagage voulu entre deux. Alors aujourd'hui, c'est l'État en la personne de. Non, l'État haïtien. Nous n'est pas une personne. L'État haïtien. C'est autre chose. Okay. L'État haïtien. Parce que c'est un aptenzi prendre de gros problème si là. Non, c'est l'État haïtien. Ok. Donc, oui, l'État haïtien. Donc, au plus important pour souligner. Nous te parlons de Baïchajoua encore déjà. Et habitude pour me préparer l'opération pour aller en zone. Ok. Là, nous allons préparer l'opération. Il faut dire Nations Unies. Si vous ne dites pas ça, il va d'accord, non? Opération. Et vous avez préparé l'opération pour aller Matissan et puis non, vous ne pouvez pas vous rendre. Non, pas non, non, puis on a le tabac et tout. C'est pas avion, c'est aujourd'hui. Ouais. Depuis le film, notre avion, il prend tout depuis le film avec eux. On les attend, oui. Ils débarquent. C'est pas seulement capitaine, nous, on est tout. Nous, on est tout. Bon, monsieur, vous me dites, okay, bon. Monsieur, vous me dites, Mes nouvelles. Mais, attendez, petit monsieur. Nous, j'ai des gens, ils ont rien, ils ont réagi là. Rapide, mais vous me dites, monsieur. Nous, on connaît que les 8 Chinois, qui ont enlevé n'importe quoi. Il y a 100 Chinois ici, il y a 8 au point. Il y a au point 6 à Delma 83 et 2 de l'autre au point haut dans la zone de cassation parce que vous êtes contre travail pour aller faire dans le ministère économie et finance. Monsieur, vous savez que c'est la grande Chine aujourd'hui qui a le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais qui fait relations internationales. Donc, je dis là, c'est la Chine qui est le plus grand contributeur financier au niveau du système des Nations Unies pour les missions de paix à travers le monde. Ah, dis donc. Donc, les Américains sont relégués au second plan en ce qui a trait aux missions de paix. Et par rapport à la nouvelle configuration géopolitique, suite à l'invasion de la Russie, la Russie envahit l'Ukraine. Il y a d'un côté les Américains et l'Europe, et de l'autre, la Russie, la Chine et d'autres alliés qui toujours dans la Nations Unies, comme le Brésil, Nicaragua ou bien Venezuela qui a viré à gauche. États-Unis, Américains, donc, pourraient éventuellement perdre, ok, zone d'influence si ils ont quitté, ben, ça a passé comme ça en Haïti, par rapport à Chazam. Ça veut dire, bon, qu'est-ce que tu fais, hein? Ma bagot te gagne, suivez bien, monsieur. Donc, ils ont obligé de créer ça parce que si ce n'est pas ça, il y a des problèmes. Mais expliquez-nous pour qui ça. Mais que soit ici, nous l'avons au niveau des chapitres 6 et 7. Chapitre 6 l'a dit, pas de troupes en Haïti. Chapitre 7 l'a dit, il faut ouvrir les troupes en Haïti. Américains a soutenu par ouvrir les troupes en Haïti. La Russie, la Chine a soutenu, il faut voir les troupes en Haïti. Si Haïtien est mandé, voir les troupes bayon, donc troupes vont venir en Haïti, le ça, la Russie, Brésil et autres, pour aller pillon sur eux, dans son nom, il a contrôlé géopolitiquement son arbre de pénétration. Donc, pour éviter que la Russie avec la Chine vienne en Haïti,
yo levé embargo pour acheter ça. Non, puis là, yo dit haïtien, gouvernement haïtien, 10 chapitre 6, nous va venir. Tout vini pour venir porter nous secours, laisse yo ba nous autorisation pour nous capable acheter ça. Si c'est pas de ça, nous va avoir autorisation pour acheter ça. Et haïtien même ça a besoin, yo besoin trop. Donc le gouvernement Ariel, etc. Les États-Unis ont la même position que les États-Unis. Donc, Renald dit qu'on est à Nassézam, parce qu'on va dire Nassézam, et puis nous dit, nous avons des troupes, et on va dire, il faut qu'ils quittent nous, indépendants, son pays souverain gagné, c'est nous qui achetons Nassézam, nous, nous pouvons combattre contre Mandio, donc pas que tout pas venir. Donc, à partir du 15 juillet, prenons une séance dans le Conseil de sécurité, et il n'y aura plus de troupes à venir en Haïti parce qu'on a une autorisation pour acheter des armes, messieurs. Donc, au final, c'est la décision des États-Unis et de nos autorités. Mais la décision peut pas ici, lui-même, c'est sécurité le besoin. Donc, on y est maintenant. Si nous jouons de sécurité, donc pas bien trop de problèmes parce que si les armes achetées ou ça permettre que nous combattons sécurité et insécurité, hein, mais écoutez, si nous combattons la sécurité, on ne passe pas bien de problème. Walter, comprends bien ça bien. Mais comme c'est un comme peu. Comme si nous sommes des fuyants de la Russie, c'est pas pour quitter la Russie, ça. Brésil encore vient là, par rapport à ça qui passe là, pour venir nos troupes qui viennent là, pour gagner zone dans la mer, pour prendre espace, soit en Haïti ou en République Dominicaine, capable d'avancer de plus en plus vers la Grande Chine. Donc, il faut que nous recevions. Oui, monsieur, va s'en passer. Oui, exactement. Ça, exactement. On va le garder qui s'en pense de ça. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on comprend une question ça? Oui, bon. Bon, nous gagnons, nous parlons au jeune maître Gédéon Jean. Mm-hmm. Maître oui. Gédéon Jean qui est en lien ça avec nous. Oui. Maître,